Surf d'enfer. Cap kangourou. Oui, je vois, je vois. Moi-même, j'aime bien passer mes vacances à Cap Baguette dans le sud. On ouvre un nouvel hôtel dans le coin, mais un raz-de-marée vient gâcher la fête. Au moins, cette série ne renie pas le réchauffement climatique. Au lycée, la cantine a été remplacée par un robot automatisé. Putain de riche. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. David s'insurge contre cette hérésie et Sam le suit dans son combat pour avoir une occasion de lui mettre la main dans le pantalon. Ah, des héroïnes qui savent se tenir à leur valeur. J'ai trouvé, entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Ce sera parfait pour mon régime. Et apparemment, cet engin a été installé par le Whoop. Qu'est-ce que je raconte? Tout a été installé par le Whoop. Jerry leur rapporte des cas de tsunami étranges à travers le monde. C'est vrai que ça n'arrive jamais d'habitude. Et elles se rendent donc à Cap Boomerang pour enquêter, où c'est pas la tristesse pour tout le monde. Ouais, les habitations ont été détruites, mais les vagues sont trop chamées. Elles aperçoivent aussi une vedette de la discipline. Mais c'est Rock. Je suis bien coiffée, rien à dire sur mon sourire. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Et après Alex, c'est Clover qui est fan des surfeurs. Ça lui correspond plus, j'avoue. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga razzia. Sans forte. Si mère, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Ah mon dieu, faites-moi tout un épisode comme ça, ce sera le meilleur de la série. Ouais, joli, ça c'est de la balle. Après cette rencontre, qui je suis sûr n'aura aucun rapport avec rien du tout, elles enquêtent à l'intérieur des ruines et chauffent. Enfin, façon de parler. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. Je savais que le Titanic était un coup prémédité. En prélevant un échantillon, elle déclenche... Vous savez que pour que ça se fasse, faut pas juste de la glace ponctuellement à un endroit. Cette péripétie ô combien indispensable étant passée, elles envoient l'échantillon à Jerry avant de retourner à leur vie, où Sam est devenu malgré elle une petite égérie. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Ouais. Oh, vous me gênez. Vous savez, je fais juste ça pour coucher avec David. Nous aussi. En attendant, Clover se remet à ses amours éternels du monde du surf, où il est fait mention d'un mentor de la profession. Dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Laissez-moi deviner, c'est les cibles des tsunamis. Et l'Australie est la troisième de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Ah, c'est bien tombé côté ce magazine, Clover. Elle se rend donc à la prochaine cible en Afrique. Alors, c'est drôlement touristique, je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Raciste. Et elles arrivent pile au moment de l'arrivée de la vague. Mais quelles étaient les chances! On a sauvé un enfant et des chiens, c'est mieux que rien. Parce qu'on est d'accord que logiquement, des centaines de gens viennent de crever là. Arrivé trop tard, quel désastre! Oh, c'est génial celle-là! C'est puissant! Waouh! J'ignorais que les surfeurs étaient de tels trouducs! Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux! Des habitations viennent d'être détruites et des gens sont morts! Arrêtez de faire comme si c'était trois fois rien! Ou bien je suis censé croire qu'il n'y avait personne dans ces bâtiments parce qu'on était dimanche? Clover comprend que ces tsunamis sont là pour rendre leur plage aux surfeurs, tandis que Jerry a retracé la provenance de l'iceberg de tantôt en Antarctique. Baie de Leba, habitant et température zéro. On s'est fait chier à installer ce panneau pour le LOL! Au cas où quelqu'un passerait par là. Et elle déclenche un piège au beau milieu de nulle part. Quel était le pourcentage de chances que ça arrive? Ça va pas
se passer comme ça. Vous pouvez facilement vous glisser au travers ou au pire passer par-dessus. Oui, je suis sûr que le métal suffit à réchauffer toute la zone du corps. Ou alors il y a une fonction chauffage. À ce moment-là, vous devez vraiment suer au niveau des parties intimes. Design bordel. Parfait, j'aurais pas à le dire en fin de vidéo. Le responsable est donc le surfeur vétéran qu'on a aperçu plus tôt, et il fait tout ça pour retrouver sa gloire passée, blablabla, vous connaissez la musique. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord. Autrefois, Franky le Colosse était le grand Manitou. C'est à cause de ses installations que Franky le Colosse a eu l'accident. Oui, Franky le Colosse a perdu un petit orteil. Et il parle de lui à la troisième personne. Tout de suite, ça lui donne une personnalité vraiment marquante. Et alors qu'il s'apprête à attaquer Los Angeles, il les laisse en plein bronzage extrême. Il veut les tuer par cancer. Elle se libère, mais trop tard pour stopper le processus. Et zut, si on était sortis plus tôt, on aurait pu tout arranger avec l'effet miroir. Faut devancer le tsunami, cap sur Los Angeles. Accrochez-vous les chouquettes, on va riper sur la zone. Sérieux? Vous auriez pas dû faire un spin-off sur les Spice enfants, mais sur les Spice surfeurs. Et une fois de plus, le pouvoir de la science bullshit sauve la situation. La façon dont ça fonctionne est... un peu vague. Le méchant est ainsi pris dans les filets et le surfeur cool de Pluto commente là-dessus. C'est vrai qu'on bave à propos de Franky le Colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est ouf malade. C'est un psycho ce gars. On l'a cassé. Et de son côté, Sam a résolu tout le problème de cantine hors champ. Sam nous a convaincu que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Oui, ça marche comme ça. Il suffit que deux élèves viennent parler au proviseur au calme pour qu'il change tous ses plans. On a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh. Et à chaque fois qu'on reverra cette cantine, ce sera exactement la même configuration, bien sûr. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frère et sœur. Et frère et sœur, ah ouais. Et elle le prend plutôt bien. Exceptionnellement mature de ta part. Et le fétiche du jour est...